Never like the narco. Got dope like Pablo. Cut dope like Pablo. Cut dope. Chop trees with the Draco. On and off got Diego. Say hasta luego. Welcome back on my YouTube channel. For those who don't know me, my name is Kisha. I'm a fashion student and I'm also an entrepreneur. Check out KBelsi on Instagram and OKG Clothing as well. In today's video, j'ai décidé de faire un Let's Fake an Outfit. Dans le fond, aujourd'hui, j'ai été invitée dans une vidéo YouTube qui pourrait être juge pour juger les outfits des gens. I was just like, thanks. Did that mean that I dressed well enough to be a judge? Fait que je suis vraiment excited about that. Je suis vraiment contente d'avoir été choisie. I'm gonna let y'all know like who the YouTuber is. And I'm gonna just set his name right here, right now. So check him out. Et ben en fait, allez checker ses vidéos and also the video that I'm gonna be in. So je suis vraiment excitée about that. J'ai pas d'outfit en tête vraiment comme que je veux faire. Puis je suis comme, ok, ouais, ça, avec ça, avec ça, avec ça. J'ai pas vraiment ça en tête. Mais j'ai comme trois morceaux de vêtements que je comme peut-être je pourrais faire quelque chose avec. Soit je vais vous les montrer puis on va figure out as I go comme lequel est-ce que je pense que je pourrais pair with what. So the first item is this. Trop beau comme... Pour le reste, c'est un de mes morceaux préférés que comme I own. Mais il est un peu comme difficile à style. By the way, je l'ai tripped and it's Guess Jeans Vintage. Bref, c'est vraiment vraiment beau mais comme live... Si je penserais live, je regarde mes vêtements, j'ai pas vraiment rien qui me vient en tête d'inspiration. Fait que je pense que lui, ça va pas le faire, mais si jamais, on sait jamais, c'est un des trucs que j'aimerais bien porter. Le deuxième item is this jacket. Pour le vrai, genre, trop belle. Trop, trop belle. Comme, elle est vraiment comme tout ce que genre les gens recherchent dans des vintage stores, dans des thrift stores. Puis... Je l'ai pas trip là en passant, elle était chez moi, it was just sitting there in the closet et je l'ai trouvée and I'm like that's coming in my closet, comme c'est trop trop beau, genre les couleurs et tout. En plus le matériel, je sais pas, je pense que ça appartenait à mon frère quand il jouait au football, je sais même pas de où cette jacket là sort, but all I know is that I have it in hand, so live vite vite comme ça aussi, je suis pas capable vraiment de penser à comme what I could pair it with, mais on va quand même la garder dans nos options parce que Dash is fire, honestly. So, on va la garder pour le moment. Ok, so le troisième et dernier item que j'ai is this. Je sais pas si vous pouvez voir jusqu'en bas, mais comme c'est vraiment long. Ça appartient à ma mère. Genre, elle l'a depuis comme forever. Puis genre, depuis forever, I'm in love with it. Genre, c'est tellement beau. J'aime vraiment comme le matériel. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est vraiment comme... Ça pique un peu, low-key. So, genre, je devrais mettre... un chandail à manches longues en dessous, mais comme je trouve que c'est vraiment genre stylish, you know, it's like fashionista, if you style it well, ça peut vraiment turn out good, so lui, out of the three items, c'est vraiment lui que j'ai comme le plus d'inspiration, so on va commencer par essayer de style this one, and then if it turns out ugly, or like, if I'm not liking it, then I will change, but for right now, that's what we're gonna work with. Ok, sur ce que j'avais pensé le pair avec, c'était ça, parce que les deux, c'est comme un peu genre le même matériel. Puis là, vous allez peut-être dire, mais comme c'est too much. Mais je vais pas le porter en chandail, ok? J'avais pensé à faire une jupe avec, parce que même à skirt era, so yeah, that's what I was thinking. Peut-être que ça va pas être beau, mais c'est ce que j'ai pensé. Donc, ça serait comme un mini skirt, and then to like match the colors. I have a regular white tee. Il est comme un peu genre crew neck, mais genre, qu'est-ce que j'ai pensé à faire, c'est que hier j'ai vu une fille sur TikTok, j'oublie toujours son nom, mais genre je regarde toujours ses TikTok, so I'm gonna just post her TikTok right here. J'ai vu faire un comme DIY de chandail qui sont comme symmetrical, puis c'était trop beau. Fait que je me suis dit que peut-être je pourrais faire ça avec ces chandails-là, puis ça, ça serait la jupe. C'est pas exactement les mêmes comme... de blanc, ça c'est un peu genre plus beige, un peu plus blanc cassé, ça c'est vraiment genre blanc, mais comme I think that we could work with that, so je vais essayer comme de put it on first, genre juste comme les vêtements normaux, and then we'll see if I could continue with that. Of course que j'ai taché mon chandail, of course I did, genre j'ai mis le truc, en plus j'ai essayé de faire un gros trou puis là j'ai fait comme so dis que anyways le but c'est de le couper, so it shouldn't really matter right now. So, je vais vous montrer. Like, that's what the skirt is looking like. Puis ça, c'est sûr qu'il y a les manches, mais comme je peux toujours les rentrer. Ou même avec, genre,
The Thing Over, je pense pas qu'on va le voir, mais comme si jamais. Je pourrais comme... En tout cas, peut-être comme ça vite vite c'est l'air, mais c'est juste pour vous montrer comme I could let it out or I could tuck it in. So that's what we have right now. Et là, je vais ajouter The Thing Over. Je sais pas comment on appelle ça, qui The Thing. On va l'appeler The Thing. So that's what we have at the moment. I can't see parce que mon miroir est là-bas, mais j'avais pensé à attacher genre juste comme un bouton, peut-être lui. Ou peut-être lui, I don't know. Puis keep in mind que le chandail devrait être asymmetrical. Ok, so je vais juste de regarder. Puis honnêtement, je trouve pas que c'est laid, mais je trouve pas encore que c'est comme wow fashion, you know. So j'essaie de keep in mind que ça va être coupé ici, fait que ça va faire un peu moins comme là. J'ai un peu l'air d'une maman, tu comprends? On dirait genre que comme je m'en vais chercher mes enfants à l'école, puis genre je rentre de mon 9 à 5. Ou sinon, on dirait que genre je m'en vais dans un souper un peu chic, puis je dois avoir l'air vraiment comme sérieuse. And that's not what we're looking for. So, peut-être j'avais pensé si j'ouvre la jupe. Peut-être si j'ouvre la jupe comme ça. Ou peut-être juste si je la ferme. Et que je la rends plus courte, you know. Skirt should be the size of a belt, so it's kind of too long right now. Donc peut-être que si je la crop un peu plus, peut-être si je mets des bottes longues aussi, ça va peut-être ajouter un aspect sexy. Mais j'ai pas envie d'être sexy, j'ai plus envie de vraiment juste être comme bien habillée. Puis je me dis aussi que les accessoires vont ajouter quelque chose, mais en même temps il y a beaucoup de coverage sur les accessoires, ils vont pas tant paraître, tu comprends? J'avais pensé que pour ici, au lieu de mettre le bouton, je pourrais peut-être mettre une épingle. Je vais vous montrer quelle épingle. C'est ces épingles-là que je parlais. Ok, sauf so, peut-être que si j'en mets une, ça va pas paraître. Mais c'est vraiment juste pour qu'on voit un détail argent et que ça donne la couleur, genre de comme les restes des accessoires vont être quelle couleur. Je sais pas si ça paraît. Faudrait que ce soit au niveau de mon ventre, comme ça, c'est pas genre sur les vêtements, donc ça paraît. I don't know. Does it change anything? Let me see. Quand même. Let's keep going. Ok, so je me dis que peut-être que si j'ajoute plus d'épingles, peut-être que si j'en ajoute comme deux autres, comme peut-être trois, après ça je peux mettre des accessoires argent, bijoux argent. Peut-être que comme on peut faire un rappel de comme accessoires, puis peut-être avec une sacoche aussi. On peut continuer à travailler avec ça. Honnêtement, je trouve pas que c'est comme hors de question. Donc on va continuer à travailler avec ça un peu, puis dans le fond je pense que je vais couper le chandail tout de suite parce que là genre j'ai un peu de la difficulté à m'imaginer comme the rest of the outfit. So on va couper le chandail puis je vous reviens quand le chandail est coupé. So it's done. C'est tellement cute, love it. Honnêtement, I might do this with a couple of my shirts because ça donne tellement un look genre un peu comme plus comme professional, plus comme classy. Love it. En même temps, ça peut faire un peu sexy. Un peu sexy, genre si tu le mets comme avec une jupe. Pas ce genre de jupe, mais comme y'all get the vibe. So, I love it. Maintenant, on va put the thing back on. C'est comme ça. Je sais pas si ça fait une grande différence vu que comme on voit pas trop genre le top. Déjà, il y a plus mes taches de maquillage, so c'est vraiment a good start. Puis ici, on voit en fait quand même. So, what do we think? Est-ce qu'on peut continuer avec ça? Or should I switch? Je pense honnêtement que je vais faire comme ce que j'avais dit tantôt. Je vais mettre des trois épingles. Juste pour voir si ça peut donner un petit look. Je sais que vous avez vu ma brassière en dessous. C'est juste que comme, je sais pas quoi mettre. Parce que j'avais des trucs, genre, tu sais, comme les tapes, genre pour les seins. J'avais ça, mais genre, je les ai utilisés. Puis, I don't know where they are. So, c'est ce que j'ai dû faire. Mais là, je suis en train de me demander, est-ce que je devrais, pour qu'on voit un peu comme le détail symmetrical, est-ce que je devrais le comme pin plus haut ou plus bas? Je pense que je vais faire plus haut, comme ça. Let me keep going. J'ai mis les trois épingles. Ici, j'ai comme tuck in le bout où est-ce qu'il y avait des boutons en haut. Fait que c'est pour ça que ça ressemble à ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que si on voit les boutons plus les épingles, it's going to be too much. Fait qu'on dirait que comme c'est bon, mais genre après, on les voit un peu. Genre peut-être que comme si ça flippe comme ça. Mais genre, c'est ça qu'on a à date. On voit un peu le symmetrical. Mais en même temps, peut-être que je devrais plus baisser la jupe pour qu'on voit encore plus.
je pense que je vais accessorize tout de suite, comme ça on peut genre déjà figure out est-ce que comme ça peut donner un look comme bam ou si c'est vraiment genre. So here are all of my accessories, silver and white. So dans le fond, j'ai ma montre ici, plus mes deux bracelets que je porte toujours. Après ça, j'ai des colliers un peu perles, mais je sais pas, je pense pas que je vais les mettre parce qu'on dirait que ça va faire too much. And then we have a belly chain and my favorite necklace. So je vais essayer plusieurs combinaisons différentes. J'ai envie d'en mettre vraiment beaucoup pour que ça soit comme vraiment genre, ça paraît que j'ai des accessoires. So we'll try things and see what looks good. Ok, so ça c'est tous les accessoires que j'ai mis. J'ai mis une bague, j'ai mis deux bracelets ici, tous du même côté. Comme ça j'ai pu mettre la montre ici. Et j'ai retroussé les manches parce que sinon les accessoires paraissaient pas sur mes poignets. These are the necklaces. Honnêtement j'en ai mis tellement, mais c'est parce que j'ai l'impression que genre les filles, on dirait ils mettent toujours comme plein d'accessoires, puis comme ils matchent pas toujours ensemble, mais genre ça fait une vue d'ensemble qui est comme belle. Si on dirait que comme de loin, peut-être que ça peut être correct, tu vois, mais genre en soi, ils vont pas tant tout bien ensemble. Comme ici, je voulais enlever la croix, juste garder la chaîne, mais elle s'enlève pas du collier, so I had to keep it. Puis sinon, j'ai rajouté un genre de belly chain, c'est tellement compliqué parce qu'elle est comme brisée, so là je l'ai genre tucked in dans ma brassière, bref. Super compliqué, but that's what we're looking like right now. Honnêtement, I think it's cute. Je pense que je commence à aimer. En vrai, les accessoires, ça m'a comme un peu fait revivre l'espoir dans ce outfit. Ça donne un peu plus un look genre moins maman, moins comme professional. So, on va ajouter un sac. Puis, j'ai essayé de penser à des souliers ou des bottes. Je suis vraiment comme dans mon boots era as well. So, peut-être des bottes blanches. Obviously, les bottes blanches de Shani, mais ils sont tellement hautes, comme genre, sont comme vraiment genre hautes comme ça. Puis je fais déjà comme 5 pieds 10, so est-ce que j'ai vraiment envie de faire 6 pieds? I don't know. Puis aussi, ils me niquent les pieds, comme genre, ça fait vraiment mal aux pieds. Fait que je sais pas si j'ai envie de m'infliger ça. Parce que sinon, j'ai pas tant d'autres options, vu que je porte comme white and pink. J'ai nothing pink except for shoes, puis je vais pas throw some shoes over that fit. Or maybe I could. Let me think about it and I'll be back. But for the moment, je vais juste décider c'est quoi le sac que je vais mettre. So, je vais vous montrer les options. Aucune surprise, mes deux options de sac, c'est ça. Soit ça pour match with the jewelry, or ça pour match avec the white du outfit. So, si exemple, je fais ça. J'ai l'impression que si je le mets comme ça, on dirait que ça fait vraiment... ça, genre, le look maman revient. Ou peut-être si je le mets comme... comme ça... not so sure. Ou sinon, ce sac, je mettrais juste comme genre... wow! Genre comme ça. On dirait que comme peut-être c'est lui qui est mieux for the moment. Avant que je décide c'est quoi les bottes que je vais mettre, peut-être ça va changer après. Je sais pas, on dirait que ça fait pas tant un rappel de couleur avec les accessoires. On dirait que c'est comme trop gris comparé, genre on dirait qu'on voit pas trop de silver. Mais en tout cas, je vais décider qu'est-ce que je mets dans mes pieds, puis ça va plus m'orienter pour mon sac. Puis j'avais pensé à mettre des lunettes aussi, j'ai deux options de lunettes. Rien de spécial non plus, c'est mes deux comme go-to glasses. So, je vais vous les montrer, puis on va décider laquelle je vais mettre, peut-être ça va m'enligner aussi. So glasses option number one. Vraiment, comme j'ai dit, nothing new, c'est vraiment my go-to glasses, as always. Je sais pas trop si comme... genre, en fait, ça match, comme, of course que ça marche parce que c'est comme les mêmes couleurs et tout. Mais je sais pas si comme ça rajoute le... au look qu'on veut. So, let me try the other ones. Option number two. Je sais pas si à cause comme qu'ils sont comme un peu teintés bleus, si ça match avec le look, mais j'ai l'impression que eux, genre si je me regarde, yo, these are my go-to glasses, like the other ones are my go-to, but these are my go-go-to. Genre je les adore, je les adore. Je les ai pris au Ardennes à 10$ et comme c'est le meilleur 10$ jamais dépensé de ma vie, comme j'adore. Puis en passant live dans la caméra, je suis sûre que ça a l'air vraiment comme plus bleu que qu'est-ce que c'est vraiment, mais genre en réalité ça n'a pas l'air autant bleu. Je trouve que ça rajoute un peu le look plus comme genre streetwear, plus genre fashion que les autres. Puis en plus eux, je me dis que si je suis juge, je vais sûrement être comme assis. Les autres c'est plus comme genre you take them off when you get inside, alors que eux tu peux genre les garder comme peu importe where you are. So on dirait que I'm gonna go with these ones. Là, l'autre truc que je me dis que vu que comme le frame des lunettes, c'est noir,
est-ce que peut-être je devrais, comme c'est ma chance de rajouter des accessoires noirs, comme parce que dans mes bottes, vu que je comme je veux pas mettre les bottes longues blanches parce qu'ils vont vraiment me faire mal aux pieds puis ils sont trop hautes, peut-être que je pourrais mettre des bottes noires, genre j'ai ce sac là noir comme vraiment genre basic, un peu genre boring tellement qu'il est basic. Mais genre ça match quand même avec les lunettes et tout, sauf je sais pas. Sinon j'en ai un autre. J'ai celui-là, il est pas totalement noir, mais il peut avoir l'air noir, puis il y a du rose, puis ça match avec genre le rose de ma jacket. So, je sais pas, let me check. Et entre les deux, je pense que je préfère lui, honnêtement, à cause du rose, puis lui, je sais pas, on dirait qu'il est comme trop noir, puis on veut pas que ça soit trop noir, parce que sinon ça fait genre blanc, rose, noir, it's like too much. Mais lui, on dirait que c'est quand même genre posé. Donc je vais essayer avec des bottes noires, and I will show y'all when the boots are on. So, avant de vous montrer avec les bottes, juste vous montrer, j'ai pensé à faire ça, j'ai comme un peu fait la jupe symmetrical as well. Comme ça, on dirait que ça fait comme une suite dans les choses, genre j'ai juste tucké dans mon boxeur. Puis genre, ça fait un peu, je sais pas si ça paraît, c'est juste un léger détail, but... Did y'all peep that? Well, now you did. Et je sais pas si vous allez voir jusqu'en bas, but these are the boots. Sont vraiment courtes parce que je voulais pas genre ça soit trop long, parce que je veux pas trop de noir non plus, tu comprends, sinon je trouve que ça fait too much as I said. Mais live je trouve que c'est quand même genre correct avec le sac, avec les lunettes, on dirait que c'est genre juste assez. Comme si je fais plus c'est too much, mais genre live on est encore dans le c'est posé. So the boots and the fit, je pense que vraiment, laissez-moi regarder encore puis je fais un petit close-up pour que vous voyez tout bien la outfit, mais genre je pense que we're good to go, for I think. Let me double check and I'll be back. Ok, so dans la famille, je vous ai littéralement mis dehors, genre c'est pour ça qu'on voit la porte et tout, okay, parce que sinon j'avais pas vraiment moyen de vous montrer the whole fit. So la caméra est set up outside of my door, because yes I have a door in my room. Bref, let's get back to business, je vous montre the whole fit. So honestly, après réflexion, j'aime vraiment what I came up with. Je trouve que ça fait un peu comme différence. C'est sûr qu'au début, je pensais que j'allais plus aller dans le streetwear, mais finalement, je suis contente avec le résultat, comme qu'est-ce que j'ai fait. Je trouve que ça fait different et ça fait en même temps stylish and fashion et ça. So that's what we were looking for. So I'm happy with the results. Let me know what y'all think. Okay, so we're back inside and that's it for the video. J'espère vraiment que vous avez aimé. Moi, honnêtement, je suis très contente avec the fit. J'espère que vous aimez aussi. Let me know in the comments si jamais vous aimez le fit, si jamais vous auriez fait quelque chose differently. Let me know, je suis vraiment ouverte. So, bring it in. J'ai vraiment hâte d'aller filmer la vidéo. J'ai hâte de voir si les gens sont drip or flop. Je vais essayer d'être gentille parce que je suis vraiment quelqu'un qui est comme gentil. J'ai de la difficulté à être comme méchante avec les gens for no reason. So, si j'aime pas vraiment ton titre, je vais dire ben... c'est correct là, genre je vais pas te dire oh my god ton fit est fucking là, genre qu'est-ce que tu fais, qui t'a habillé, tu t'habilles dans le noir ou quoi, tu comprends, so I'm chill, so j'ai vraiment hâte d'y aller quand même, thanks for the invite, je vais vous remettre son YouTube channel right here, check him out, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, si jamais vous avez aimé celle-là, make sure to like, comment, share and subscribe. See y'all. Bye. Narco. Got dope like Pablo. Pablo. Cut dope like Pablo. Cut dope. Shot trees with the Draco. Draco. On and off got Diego. Diego. Say I still a wiggle. We'll be in rapid.